Le Vaucluse, certes, c'est Avignon, le Festival d'Avignon, mais ce sont également de nombreux rendez-vous qui sont mentionnés dans ce Vaucluse Tour. Et dans ce Vaucluse Tour, on s'arrête sur les galeries d'art. Bonjour Marjorie Delacour. Bonjour. Vous dirigez la galerie L'Île d'Art qui est installée au 10 de la rue Carnot à Lille-sur-la-Sorgue. Exactement. On va découvrir cette galerie, visite virtuelle s'il vous plaît, de la galerie pour commencer. Voilà, alors ça se trouve à côté de la mairie, hein, pour trouver facilement. Alors la visite, disons qu'on va parler d'une trentaine d'artistes qui sont dans la galerie. D'accord. Il y a à peu près 200 œuvres. Et qui sont renouvelés régulièrement. Alors, vous aurez des bronzes, des raccous, des assemblages, de la photo, de la fresque. Alors, tout est réfléchi hein, pour être harmonisé quand même. Ah, hein. Bien sûr, il y a un fil conducteur. Il y a un fil conducteur quand même qui est très positif, disons. C'est vous, c'est vous qui faites cette programmation, entre guillemets, dans la galerie ? Tout à fait. Et à partir du 4 août, l'exposition voilà. Plus exceptionnelle. Donc on aura à partir du 4 août jusqu'au 24 août. Alors ça, c'est mon ami Denis Pasquale qui vient pour... exposer des artistes de renom comme José Maria David, Vasarely ou Venli ou Fernando Agostino. Alors là, c'est quelque chose à pas rater. Hein. Ouais, c'est à partir du 4 août et jusqu'à la fin du mois voilà, d'août. Parlez-moi de l'Île-sur-la-Sorgue, ce village, de cette ville, cette Venise provençale. Alors l'Île-sur-Sorgue, c'est un village qu'il faut absolument aller voir. Hein. Parce que bon, mais nous avons des antiquaires, alors ouais, là on n'a plus à le dire, ouais. Mais également énormément d'expositions d'art avec le Campredon, ouais, par exemple. Et puis, votre bon, de toute façon, c'est le petit Venise, donc il faut venir. Il faut se laisser aller dans les ruelles de l'Île-sur-la-Sorgue. Absolument, c'est très très beau, il faut venir voir. Faire un tour de barque sur les canaux et vraiment visiter cette ville qui est magnifique. Exactement. 10 rue Carnot, c'est là qu'est votre galerie. La galerie s'appelle L'Île d'Art et à partir du 4 août, cette exposition exceptionnelle. Exactement. Merci voilà, beaucoup, Marjorie Delacour. Merci. Merci à vous. Programme à retrouver sur www.vaucluse.fr dans le cadre de ce Vaucluse Tour.